Échange de vœux entre le président du Parti ivoirien des travailleurs, PIT, aka Aïssi Daniel, et ses camarades militants. Au quartier général du parti à Adjamé, les militants de la gauche socialiste et les militants du Parti ivoirien des travailleurs ont été invités à l'unité et à la mobilisation pour réaliser les défis futurs. Aka Aïssi Daniel a exhorté le gouvernement à accélérer le processus de réconciliation et à apporter des réponses aux questions sécuritaires, aux réformes institutionnelles dont la recomposition de la commission électorale indépendante et l'établissement d'une justice au service de tous les Ivoiriens. 2014 doit être l'année où nous réussissons à aplanir les difficultés et nous engager résolument vers une Côte d'Ivoire beaucoup plus apaisée. Le président de la République nous a appelés à des élections prochaines pour 2015, mais pour y aller de façon sereine et pour ne pas que nous retombons dans les travers des élections passées, il faut qu'en 2014 nous réussissions à planir toutes les difficultés qui peuvent entraver le bon déroulement de ces prochaines élections. Nous avons une mission, celle de faire grandir encore un peu plus le PIT. Le Parti ivoirien des travailleurs, qui juge son bilan satisfaisant, a également célébré le premier anniversaire du mandat de Aka Aïssi Daniel à la tête de cette formation politique. Du président.